Mais assise, assise. Ben c'est le... Oui, voilà, ça. Rond et léger. Et vous trouvez les hanches, oui, avec... Oui, assise. Oui, c'est assez, c'est déjà assez, oui. Ce programme vous est proposé par Kevin Bacons, Théo, Cofim et Global Medics. Larissa, Valentin, comment ça s'est passé ? J'ai une très bonne leçon, je trouve que le cheval s'est bien comporté. Il était encore un peu tendu au début, puis il s'est bien lâché. Et il a, je pense, montré vraiment des mouvements super aujourd'hui. Il a vraiment augmenté sa qualité dans le travail depuis quelques mois. Et là, on prépare le médium. Vous avez les sélections internationales, en Belgique en tout cas. C'est une belle évolution pour ce cheval. Alors oui, parce que c'est vrai qu'il est encore jeune, il a que 7 ans, et là, bon, ça fait 2-3 fois que je sors en interrain, il fait des super scores, donc ça, je suis très contente. Et puis voilà, je voudrais bien faire un petit peu d'internationaux au début de l'année pour un peu le rôder encore un petit peu, que ce soit encore plus coulant dans mes épreuves, et puis attaquer le médium dans 4-5 mois. L'objectif, c'est de l'amener au Grand Prix, gentiment. Oui, l'amener au Grand Prix, je pense fin des 8 ans, qu'on soit vraiment sur les Grands Prix. Quoi. Ça, c'est votre programme l'année prochaine? Oui, avec lui en tout cas. Alors comment ça s'est passé avec Monica? Grand nom du dressage, hein, fantastique. Oui, fantastique. D'abord, c'est un cavalier, un entraîneur exceptionnel. Et puis, bon, voilà, je pense qu'elle arrive à vraiment mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Donc, elle m'a bien aidé dans mes pirouettes, par exemple. C'est vrai que j'ai tendance un tout petit peu à le mettre un peu trop de côté. Donc là, elle m'a vraiment dit de ralentir un peu plus, de mettre les épaules devant. Et du coup, j'ai vraiment senti la différence. Et c'était beaucoup plus facile pour moi, du coup, et pour lui surtout. Une vraie leçon de dressage? Oui, une bonne leçon de dressage. C'était vraiment très chouette. C'est quoi ton image de Monica Teodorescu? C'est quand même multimédaillée olympique, c'est une grande dame du dressage, non? Oui, c'est une grande dame, et puis voilà, je l'ai beaucoup suivie déjà quand j'étais très, très jeune à la télévision, on regardait les épreuves, voilà, ouais, donc c'est, évidemment c'est un pont de l'équitation, c'est une grande dame. Il y a des jeunes cavalières aujourd'hui qui ont la chance de monter avec elle, est-ce que pour toi ça brille toujours autant dans tes yeux de monter avec Monica? Non mais complètement, moi je suis toujours un petit peu, voilà, je suis toujours un peu émue et voilà, j'espère que je vais pas faire manger tout cru, mais aujourd'hui ça s'est bien passé, donc non, c'était vraiment très positif et je suis super content de ma leçon en tout cas. Alors Valentin, bah, on l'a vu en forme, on se réjouit de regarder toutes les images qui vont suivre, c'est toute ta séance, si tu as des petits points techniques à préciser, lequel serait-il? Aujourd'hui j'ai montré un petit peu tous les mouvements parce que bon, c'est vrai qu'il commence à toucher un peu au piaf passage. Bon, les temps, je les ai fait aujourd'hui, normalement il les fait mieux à la maison, mais évidemment il est un peu émotif, il n'est pas chez lui, etc. Donc voilà, mais je pense qu'aujourd'hui il a monté toute sa qualité et je pense vraiment tout le potentiel qu'il avait pour le futur, ça c'est certain. On se voit où là prochainement? On se voit normalement au Mans, en international, avec deux de mes chevaux. Et parce que j'ai un autre cheval aussi, Flambeau, qui sera prêt pour l'international l'année prochaine. Et puis, à mon avis, on va faire lire après. Et on peut toujours suivre, évidemment, les aventures de Larissa et de Valentin et de tes autres chevaux sur les réseaux sociaux. Larissa Poluis, vous trouvez facilement sur tous les réseaux sociaux. Encore un petit mot sur Valentin, c'est un étalon, évidemment, qui reproduit. Il a fait des beaux bébés cette année. Oui, c'est vrai que c'était un peu la surprise parce qu'on ne sait pas non plus comment un étalon reproduit. Et là, les premiers poulains sont nés, ils prennent un an et ils sont, ils sont magnifiques. Hein. Là, Valentin vraiment donne la même tête, le chic vraiment de son caractère exceptionnel. Ça, c'est vraiment magnifique. Et on peut témoigner personnellement puisque vous avez tous suivi les aventures de Sissi et on a une jolie pouliche à la maison qui se porte à merveille et qui sait, on remettrait peut-être bien ça l'année prochaine avec elle. Ça serait formidable en tout cas. En tout cas, c'est un excellent choix. À bientôt Larissa, merci. À bientôt, merci beaucoup. Oui, très bien. Oui, très bien. Bref. Oui, bien. Elle écoute très bien. Oui. Oui, comme ça, le demi-arrêt, très bien. Voilà, bien. Oui, bien. Très bien. Oui, caresser, très bien.
Bien. Oui. Très bien. Oups. Oui, oui, bien. Ouais. Oui, très bien. Oui. Bien, très bien. Bravo. Très correct. Bien. Pas trop de flexion à gauche aussi. Oui. Gardez un petit peu l'épaule droite vers... Là. Oui, bien. Oui. Oui, bien. Oh. C'est un bon moteur. Bien. Oui. Assise à droite aussi, regardez à droite. Voilà, voilà. Oui, très bien. Oui, très bien. Bien. Ouais, et aussi reine droite. Oui, pas trop de flexion à gauche. Oui, ouais, laissez-la aller. Oui, laissez-la aller. Oui, bien. Bien. Ouais. Ouais, bien. Oui, comme ça, oui. Ouais, assise à droite. Voilà. Très bien. Brave. Très bien. Caressé. Très bien. Très correct. Très bien. Bien. Oh. Oui, bien. Plus léger la main gauche, oui, 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 très bien. Ah, ouais, bien. Ok, c'est bon. Oui, très bien, brave, très bien. Il a 7 ans ou 8 ans? 7, oui, il prend 8, oui. Mm-hmm.
Oui, bien. Bien. Ouais. Oui. Très bien. Oui, c'est intéressant ça. La caméra en bas. Oui, bien. Très bien. Très souple, très bien. Brave, bien. Oui, flexion, oui, et léger, flexion et léger, voilà, bien, très bien. Oui, très bien. Oui. Oui. Oui, bien. Oui, très bien. Très bien. Oui, en avant un petit peu. Oui. Oui, bien. Là aussi, reine droite, oui, pas trop de flexion à gauche, voilà, bien. Oh, rond, oui, bien. Oui, correct, bien. Ça, c'est bien, oui. Bien. Regardez où vous allez, oui, aussi un peu. Regardez à droite, très bien. Oui, bien. Ouais. Ouais. Oui, bien. Oui, très bien. Oui, assise. Oui. Voilà, très bien. Très bien. Peut-être pour le changement pied à gauche, il peut être un peu incurvé à gauche. Pensez un petit peu à l'épaule devant à gauche pour le changement de pied à gauche. Oui. Voilà. Oui. Bien. Oui.
Ouais. Épaule devant, à gauche. Oui. Oui. Oui, doucement. Oui, oui, bien, bien, doucement. Oui. Oui. Oui, très bien. Très bien. Très bien. Mmh. Oh, oh, oh. Doucement, doucement. Oh, oh, oh. Oui, c'est pas grave, c'est pas, c'est déjà assez. Pour 7 ans, c'est déjà assez. Bien. Oh, 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 oh. C'est bon, c'est bon. Il faut pas le forcer là, c'est bon. Je vois qu'il peut déjà faire tout ça. Peut-être on fait une petite pause au pas, oui, caresser, et après on va reprendre pour les pirouettes. Doucement, une chose après l'autre, doucement. Bien, très bien. Ok. Bien. Oui. Oui, pas trop de travers, hein? Pas trop, pas trop. Oui, votre épaule gauche en arrière, épaule droite en avant. Oui, 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 bien, bien. Oui, doucement, oui. Bien. Mmh. Bien, ouais. Doucement, 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 doucement. Voilà, voilà, voilà. Bien. Oui, très bien, très bien. Oh. Oui. Oui. Non, non, ça c'est trop travers. Parce que vous poussez trop en travers, il va de côté, il doit aller de côté avec le postérieur intérieur. Il faut seulement tourner les épaules.
Oui. Garder la jambe droite à cheval, seulement tourner les épaules, doucement. Tourner les épaules. Oui, doucement. Doucement. Tourner les épaules. Oui. Laissez-lui tourner les épaules. Voilà, 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 c'est ça. Très bien. Très bien. C'est même pas trop poussé. Au début, pour tester, pour demander si le mien n'est pas trop top, top. Alors comme ça devient trop grand et l'avant-main ne peut pas tourner autour du postérieur, autour des hanches. Ouais. Oui, oui, oui. Flexion à gauche, un peu rond. Oui, oui, oui. Seulement tourner ses épaules. Restez assise doucement. Assise doucement. Oui, oui, oui. Bien. On va le refaire. Juste 2-3 foulées de plus. Oui, bien. Épaule devant, épaule devant, oui, oui, restez assise, oui, oui, doucement, doucement, tournez les épaules, doucement, oh, oh. Oui, 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 il était un peu haut, mais avec ses pieds, il était très bien, voilà, bien, encore une fois à gauche, oui, oui, un peu plus rond à gauche, oui, voilà, voilà, oui, oui, incurvé et rond, ne poussez pas trop, regardez en haut, oui, 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 voilà, très bien, très bien, caressez, très bien, oui, c'est ça le feeling, hein? Vous avez trouvé, bien, très bien. C'est juste changer un petit peu l'idée de la technique, c'est ça. Oui. C'est, pour lui, ce n'est pas difficile, hein, parce qu'avec un galop comme ça, c'est très bien équilibré. C'est, en montant, c'est super. Oui, bien. Oui, très bien. Oh, 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 très bien. Là aussi, un peu plus rond, un peu plus relax devant dans la main. Pas trop court, pas trop serré, pas trop haut. Il est un peu haut et serré, un peu plus rond. Oui, ouais. Voilà, et léger devant, ouais. Oui, bien, très bien. Oui, doucement, oh, port, port. Oui, bien, oui. Oui, très bien, brave, brave, brave. Caressez en même temps, oui. Oui, encore une fois. Oui, oui, et caressez, oui. Waouh, oui, super, brave, oui. Oui, très bien. Les rênes plus longues, les rênes plus... Oui, 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 voilà, voilà, super. Ok, c'est bon. J'ai assez vu, hein. C'est bien. Oui.
ça, plus rond, plus rond. Oui, oui, oui. Et assise, 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 rond. Voilà, voilà, voilà. Ok, 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 ok. Oui. Assise, assise, oui. Vos épaules en arrière, restez assise. Oui, oui, oui. Baissez les mains. Oui, c'est ça. Baissez. Voilà, voilà, bien, bien. Baissez les mains. Oui, oui, oui. Voilà, bien, caressez. Ok, ok. Il ne faut pas demander le passage comme ça. Hein? Rond, et lui, il a besoin du dos. C'est parce qu'il fait déjà assez. Baissez les mains, mais assise, assise. Baissez les... Oui, voilà, voilà, ça, 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 ça. Rond et léger. Et vous trouvez les hanches, oui, oui, avec... Oui, assise, 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 assise. Oui, c'est assez, c'est déjà assez, oui. Pour 7 ans, c'est assez. Il ne faut pas faire les kilomètres, hein, seulement quelques pas, quelques foulées. Baissez les mains, assise, assise, assise. Voilà, 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 voilà. Très bien, très bien. Brave, très bien. Bien. C'est le plus important qu'il fait ça lui-même, rond, relaxé et régulier. C'est ça. Et si on essaye trop avec les mains, avec les rênes, on tire trop d'un côté, et comme ça, oui, s'il perd l'équilibre, comme ça, ouais, c'est rond, et faire lui-même trouver son équilibre, et comme ça, des grands cercles, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, et ça suffit pour le moment, parce qu'il fait déjà beaucoup, hein. Et ça devient seul, il le fait, parce qu'il est capable, mais pas trop ça. Sa technique et la manière comment il le fait, c'est encore plus élastique et encore plus haut quand il est plus rond. Il a besoin de son dos et ça, il a besoin seulement de la force pour ça. Et ça devient tout seul. Très bon, très volontiers. Non, c'est bon, c'est très bon. Il peut faire doucement inter A, inter B l'année prochaine et après on verra quand il est prêt. Oui. 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 Non, il a beaucoup de qualité ce cheval. Il est beau, il a la qualité aussi au pas. S'il reste relax, comme ça, c'est important. Hein, c'est bon. Ce programme vous était proposé par Kevin Bacons, Théo, Cofim et Global Medics.